Si le capitaine Crémieux-Foa était prêt à faire des excuses à Monsieur Drummond, nous en resterions là. Le capitaine ne présentera aucune excuse. Vous pouvez l'ignorer, Marquis. Au nom des 300 officiers israélites de l'armée française, il demande réparation à Monsieur Drummond pour ses campagnes dans la libre parole. Adieu, Vat, alors. Le capitaine ne présentera aucune excuse. Que faites-vous avec des gens comme ça, comte Esterhazy? Quand on porte le nom que vous portez, on n'est pas du côté des Juifs. L'intérêt a parfois ses raisons que le cœur n'a pas à connaître. Venez me voir un jour. Les intérêts du cœur peuvent battre à l'unisson, vous verrez. Nous allons nous battre, messieurs. Messieurs, s'il vous plaît. En garde, messieurs. Allez-y, messieurs. Messieurs. Montrez-moi votre bras. C'est rien, c'est une égratignure. Faites voir. Les officiers israélites de l'armée française sont des patriotes, prêts à mourir pour leur pays. Voilà ce que j'ai voulu prouver en provoquant en duel Monsieur Drummond. Du scandale de Panama a plus que jamais besoin d'une armée saine, racialement pure. Les officiers juifs sont des traîtres en puissance, parce que ce seront toujours des étrangers. Quel que soit le courage personnel du capitaine Crémieux-Foa, je continuerai de publier cette vérité dans mon journal. Capitaine Meyer, en tant qu'offensé, vous avez le choix des armes. Capitaine Morris,
Tournez-vous. Prenez votre place. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Tournez-vous. Armé. Tirez. Monsieur le docteur, je vous prie. Capitaine Meyer est mort. Mais quelle mouche a piqué Meyer ? Un officier si brillant, avec un tel avenir. Merci. N'en doute pas, Mathieu. Nous n'avons nul besoin de nous distinguer et d'attirer l'attention. Hein ? Nous faisons partie de la nation ? Eh bien, nous devons nous y fondre, nous y confondre. Sans doute, Alfred, mais les articles de Drummond sont ignobles, non ? Ça paraissait indifférent en temps de haine antisémite. Mais enfin, tant qu'il y aura des juifs qui voudront se distinguer de la masse des citoyens, de la profondeur de la nation française, il y aura des antisémites. Je m'appelle Alfred Dreyfus. Je suis polytechnicien, capitaine d'artillerie. Je suis un Français comme les autres. Toi ? Mon frère, tu es mieux placé que quiconque pour savoir que jamais, tout au long de ma carrière, le fait d'être d'origine juive ne m'a posé le moindre problème. Ah pourquoi est-ce moi qui devrais en créer en glorifiant cette origine ? En m'en déclarant coupable ? Non ? Non ? Je suis un officier français. C'est tout. Le jeune Pierre Dreyfus demande l'autorisation de se retirer pour la nuit. Bonsoir, petit Pierre. Faites entrer le comte Esterhazy. Vous souhaitez obtenir un passeport pour vous rendre en Alsace, n'est-ce pas, monsieur ? Ça n'était qu'un prétexte pour vous approcher, colonel. Je suis un officier français d'état-major en service actif. La nécessité m'oblige à une démarche méprisable, j'en conviens. Mais je me dois de préserver ma famille de la ruine. J'ai travaillé au renseignement. J'ai gardé des liens avec le colonel Sander, chef du bureau. J'ai des amitiés politiques. Mes relations de famille me permettent de vous fournir des renseignements importants sur la Russie. Ça devrait vous intéresser, colonel. Dans la conjoncture des nouvelles alliances entre la République française et le Tsar. Et que savez-vous de l'artillerie française ? Où en sont les études du nouveau canon de 75. Ah. Colonel, il me faut 2000 francs par mois. Bah, jamais de la vie. Nous ne payons qu'à la pièce, selon la valeur du renseignement. Je vous ai apporté le journal de mobilisation de mon régiment. Un document de peu d'intérêt. Vous le savez fort bien, non ? C'est le plan de mobilisation de l'artillerie qu'il me faut. Il vient d'être mis à jour. Vous l'aurez. Quand ? Bien, jusqu'au 10 août, je serai à l'état-major de la 3e brigade d'artillerie au camp de Chalon, du 10 au 12 à la campagne à Dammartin, disons le 15 août. Le 15 août. Très bien. Si vous m'apportez le plan d'artillerie, nous ferons affaire.
Le plan, ça vaut combien? Ça vaut 1 000 francs. Au revoir, comte. Dans quelques jours, je serai au camp militaire de Châlons. D'importantes manœuvres s'y déroulent. Vous enverrez une carte postale. Entrez, madame Bastien. D'habitude, il n'y a plus personne à cette heure-ci. Je m'en vais. Je rangeais juste quelques papiers. Je vous laisse faire le ménage. Au revoir, madame Bastien. Thank you.